mesdemoiselles et vous, messieurs. Pour votre oui, je vais me décrire. Laissez-moi faire pour votre plaisir. Je suis ici pour vous divertir. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Je parle aux êtres féeriques pour vous créer un instant unique. Vous apprenez toutes mes techniques et vous vivrez des moments magiques. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Si vous souhaitez de profonds changements, venez à moi, écoutez mes serments. J'use de mes charmes et de mes talents pour vous offrir une femme et des amants. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Les chers gens, oubliez votre dette et libérons ensemble la bête. Venez avec moi chanter à tue-tête, boire des bières et faire la fête. À ce moment-là, du coup, Athalise, elle te passe devant, Ilana, et elle va aller s'asseoir en disant « Bon, alors, ce petit déjeuner ?» Et elle invite tout le monde à s'asseoir. Bien dormi Oui, toi, tu l'as déjà dans les mains. Moi, je l'ai déjà confié. Terminé. Je l'ai confié aussi à Skept pour ce soir. Oui. Mes légumes. D'accord, ok. Du coup, il les a emmenés dans son coin et effectivement, si jamais il y en a un qui sort dehors, il va le voir effectivement en train d'éplucher les légumes et les préparer. Il s'y met dès maintenant, quoi. Ah bah, motivé. Il a faim. Motivé, super. Il sait que ça va vous plaire à coup sûr, vu que... C'est Anna, sa meilleure recette. Anna a dit qu'il était bien parti, donc il a faim. Moi, j'ai toute confiance. On va manger des recettes, des spécialités ogres. On va adorer. Ah ben, le rat farci, c'est excellent. Ou le rat en ragoût, c'est... Je déconseille. Toi, tu connais... On discute de tout ça à voix haute, du coup ? Ouais. Moi, je dis... J'ai déjà tenté quelques trucs. Je pense que je vais trouver un autre moyen pour manger ça. Il a vraiment parlé de rat ? Oui. Ça a l'air d'être son plat préféré. Eh oui, j'ai déjà croisé quelques demi-ogres. C'est un peu leur spécialité, leur rat. Alors là, du coup, elle a un regard un peu désolé envers tout le monde, puis elle dit « Je vais peut-être aller lui dire que on mange pas la même chose, voir s'il trouve quelque chose d'autre comme viande à mettre dans son ragoût. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Vous savez ce que c'était hier soir, ce qu'on a mangé ? Oui, c'est du cochon que vous dit Katina. Ah, ok. Est-ce que tu veux que je t'accompagne, Thalys? Je suis sûr qu'à nous deux, nous pourrons convaincre. N'y allez pas. Ouais, il est content, il va éplucher les légumes. Attendez au moins qu'il ait fini d'éplucher les légumes. Quand tu prends la viande, allez-y. Si nous sommes encore là, il semblerait que nous devons aller en ville aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Bah, j'irai l'intercepter quand il préparera sa viande. Oui, s'il vous plaît. Le rat, c'est formidable. Oui, je voudrais qu'on, ça ne le vexe pas, hein, bien sûr, mais peut-être lui conseiller un autre arôme. Oui, voilà. On va. Merci de vous en occuper.
Merci, Jean. Du coup, Anna regarde les autres et dit « Vous avez bien dormi ?» Bah oui. Impeccable. À peu près. Les loups de t'ont pas fait de misère, Felria ? Pardon. Rin ? J'ai pas entendu, excuse-moi. Les loups ne t'ont pas fait de misère ? Ah non, aucune. Ils ont été très sages. Ah bah voilà. Je te remercie d'avoir pris ton jeu. Il s'habitue peu à peu à ton odeur, peut-être. Y a rien de tel pour dresser un animal que de passer beaucoup de temps avec. C'est ça. Donc, d'ici peu de temps, ça devrait être, on devrait plus avoir ce genre d'incident. Parfait. Anna, elle va finir assez rapidement, et puis elle va se lever. Si ça vous dérange pas, je me souhaiterais, mettre mon armure avant de partir. Et moi, j'ai quelques ablutions à faire, maintenant qu'on m'a installé un baquet. Je vais faire vite, promis. Nous pouvons nous dire que nous rentrerons ici d'ici 15-20 minutes. Je serai là. Et du coup, elle court. Ça va être trop court pour elle. Alors, elle se dépêche. Mais elle veut pas, elle veut pas peser sur le groupe, en fait. Ça me va. Et du coup, je vais mettre mon armure pendant 10 minutes avant. Ok, les garçons, qu'est-ce que vous faites du coup dans le dans l'auberge? Je vais juste sortir du corbeau d'or. Moi, du coup, je vais dans ma chambre et puis je vais prendre quelques affaires au cas où dans un petit sac de voyage, ce que je peux pas transporter d'habitude sur moi, mon arbalète, des carreaux. Après, sur moi, j'ai mes dagues, ce genre de trucs qui sont dans mes vêtements planqués. Mais je prends quelques affaires en plus au cas où. D'accord, ça marche. Non, juste avant de sortir de l'auberge, j'aurais demandé à Alnar si il pouvait juste m'accompagner chez le. Il doit y avoir un marchand qu'on avait vu. Qui est plus fou. Tu dois être. Vous allez directement à Vercol ou vous allez au bazar de Elpire? Non, là, juste à côté. L'idée, c'est d'attendre les autres. Donc, on a 15-20 minutes. Comme on va pas tous aller chez le marchand, j'imagine, c'est histoire de tuer le temps pour profiter des 15-20 minutes pour aller vendre les cimetières qu'on a. À la gamine. Donc, Alna. Ouais, moi, je sais pas ça, mais ouais, à la fille. Hein. Donc, je pense que tu dois être plus doué que moi dans les négociations. Donc. Bien sûr. Moi, je vais laisser aussi quelques-unes de mes affaires, genre l'ouverture ou des choses comme ça, mais globalement, je vais quand même me balader ici. Du coup, le bazar est plutôt là. Là, c'est la grange. Bazar, ok. Ah. Et d'ailleurs, en passant, quand je croiserai Georgias, je lui demanderai de prendre soin de Léa, parce que mes compagnons sont à pied. Je vais la laisser ici. Oui, vous inquiétez pas. Nous partirons d'ici une petite heure pour aller en ville. Enfin, je vous laisserai y aller, je pense que vous êtes assez grand pour aller découvrir la ville ensemble. Vu que l'objectif est de passer du temps ensemble, je pense que nous sommes assez grands. Parce que on a un petit peu de travail dans le jardin, puis on va essayer de l'aider à reboucher les trous, dirons-nous. Et il y a eu des trous. Attendre dehors. Du coup, de votre côté, avec Pierre, vous allez la voir, vous voir arriver avec un sac. Ouais. Alors, dans un premier temps, je vais tenter de la séduire pour la négociation. Vas-y. Alors, c'est quoi? C'est persuasion, c'est ça? Ouais. Ok. Ok. Alors, je vais trouver. Pourquoi avec avantage? Parce que j'ai la beauté étrange d'une fée. Et que du coup, à chaque fois que je fais des tests de charme ou de séduction, j'ai l'avantage.
Bonjour, monsieur... Alnar. Alnar. Et vous êtes ? Je m'appelle Ethnir. Je suis la fille de Georgia et Katina. Oh, c'est vous. J'en ai beaucoup entendu parler. Ah, j'espère. En bien et également de votre caractère un peu têtu, on va dire. Mais cela est une qualité d'une future grande commerciante. Oh, il est hors de question que je me laisse avoir par des gens qui vendent leurs produits hors de prix. Et je suis là pour gagner de l'argent, pas pour en perdre. Cela est tout à fait normal. Moi-même étant un petit commerçant, enfin, dans mon domaine, je connais la valeur de l'achat-revente. Vous faites de l'achat-revente ? Pas du tout. Je suis juriste. Je m'occupe des affaires judiciaires. Et pas toujours louche. Eh bien, croyez-moi, vous allez avoir du boulot dans le coin parce que... des escrocs, il y en a. Pas très intéressant. Voyez-vous... Vous pourriez peut-être aller voir le nain, là, Jiménez. Hein? Allez le voir, cet escroc, là, qui vend des sacs, là, des épices, là, hors de prix, là. Bon. Voyez-vous, l'objet de notre présence, c'est que nous avons acquis très récemment un petit stock de Pinter, c'est dans cela, Erin? Oh, je vous présente mon compagnon, Erin. Enchanté, Erin. Et j'ouvre le sac. Fais entrer, et elle retourne vite fait le regard vers Alna, jusqu'au moment où tu déposes le sac au sol. Et alors? Nous aimerions les revendre. Seriez-vous intéressé? Vous vous foutez de moi, là? Pourquoi? Ouais, je veux pas acheter tout ça. Nous sommes pas des combattants ici, nous sommes... c'est juste une auberge. Après, je peux vous en prendre deux, si vous voulez. Oh, mais bah prenez ce qui vous intéresse, et nous revendrons le reste à Vercol. Ouais, enfin, je veux bien les prendre, mais... pas non plus payer des milliers de cents pour avoir des trucs qui vont se vendre dans 4 ou 5 ans. Hein. Mmh. Non, bah, effectivement, non, si on n'est pas au bon endroit, on va conseiller quelqu'un. Ce que j'allais dire, en tant que grande commerçante, est-ce que vous avez peut-être des personnes qui seraient intéressées par ce type de marchandises? Oui, en centre-ville, à Vercol, vous aurez ce qu'il faut. Et vous avez quelqu'un en particulier? Faudrait que je réfléchisse. Albrecht. Albrecht. Ouais, enfin, un truc comme ça, ouais. Ok. Je vous remercie beaucoup. Et je lui fais une baise main pour partir. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Du coup, toi, de ton côté, Hank, tu étais dehors? Tu étais là où tu t'es mis? Ouais, je me suis rapproché d'eux pour écouter ce qu'ils racontent, puis j'étais à peu près par là comment dire. Alors t'as un nain qui tu courais après. Attends, pars pas. Ouais, je me retourne et puis du coup je reviens vers lui. Alors. Ouais, qu'est-ce que vous me voulez? Je suis content d'avoir enfin quelqu'un qui me enfin. Mais sans plaisanter. Comment allez-vous? Vous venez d'où? Je viens pas vraiment d'un endroit précis. Hein? Ah oui, vous venez pas de nulle part, quoi. Ouais, ça, on peut dire que je viens de nulle part, en effet. Ouais.
c'est étrange. Un nain qui vient de nulle part. Ça ressemble à une vilaine blague. Mais bon, c'est pas grave. Tu serais pas intéressé par des petits trucs par hasard? Des petits trucs, c'est-à-dire? Ben, j'ai ma petite charrette qui est là. Bon, elle est cassée. Là, elle est là. Ouais, et puis tu veux que je fasse quoi d'une charrette qui est cassée? Non, mais pas la charrette cassée, quand même. Mais ce qu'il y a dedans, tu achèterais peut-être des épices à manger, peut-être des armes, je sais pas. Pour le moment, j'ai ce qu'il me faut. Ouais, d'accord. Je vais jamais vendre mon stock. Ah ben non, mais l'autre jour, je vous raconte. Hier soir, en fait. Non, c'était pas hier soir, c'était avant. J'ai oublié que ma roue a cassé et il y a 5 personnes qui sont venues à mon secours et qui m'ont aidé à faire venir le chariot jusqu'ici. Et ces 5 personnes étaient bien gentilles, hein, parce que sans eux, j'y serais jamais arrivé. Ouais, et puis là, je commence à m'énerver, et puis à taper du pied, croiser les bras, et puis je fais ouais, et puis vous vendez rien d'autre, parce que l'histoire de votre chariot, c'est bien intéressant, mais j'ai pas que ça à faire. Ouais, bon, d'accord, ok. Allez-y, je disais ça comme ça pour parler à un confrère, un semblable. Mais bon, ouais. Allez-y, du coup, il te tourne pas totalement le dos, il jette un petit regard noir à Elphir en passant, et il se retourne, ouais. À son chariot, un peu dépité, et il va même s'asseoir dessus. Moi, du coup, je vais vers l'entrée et puis je vais attendre les autres. Du coup, il va voir Ilana qui est sortie visiblement. Ouais. Mademoiselle, vous êtes en recherche de matériel par hasard? Merci, mon brave, mais j'ai tout ce qu'il faut. Ah là, c'est terrible quand même ça. Voilà, monsieur. Ouais, n'allez pas voir la jeune fille là-bas, elle y connaît rien en commerce. Je voudrais pardon, c'est à moi de rediscuter? Bah oui, c'est à toi que je discute. Excusez-moi. Oui, c'est à vous que je parle, monsieur. Timérès, je présume, c'est bien cela? Timérès, oui. Oh, pardon, excusez-moi. Timérès, mon cousin. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah oui, bah, c'est bien. C'est vrai que je suis assez connu dans le coin. C'est vrai. J'ai cru comprendre que vous aviez des soucis commerciaux avec une enfant. Ouais, enfin, elle a beau être toute jeune, j'ai essayé un petit peu de l'amadouer, mais franchement, durant l'affaire, elle se rend pas compte, les épices, faut aller les chercher quand même, hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais voyez-vous, je pense que vous aurez plus de succès si vous allez vers Cole. Ouais, bah oui, mais pour l'instant, je suis un petit peu bloqué. Mon chariot Scapti a essayé un petit peu de commencer à réparer avec Georgias, mais il faut une roue, quoi. Mais vous allez à Vercol, vous, ou pas? Oui, nous allons y aller, effectivement. Ah bah, si jamais vous trouvez une roue par là, vous me l'achetez, je vous le rachèterai.
Ça vous va? Bien sûr, donnez-moi l'argent et... Non, non, achetez-la vous-même et après je vous la rachèterai, d'accord. Je préfère faire ça comme ça, moi. Charmer, je peux le charmer. C'est quoi charmer? C'est plus amical, c'est ça? Le charmer, c'est persuasion. Oui, mais c'est... Quand on charme quelqu'un, c'est plus amical, vraiment, c'est du... Moi, tu peux le charmer en amical, si tu veux. Je vais dire, moi, voyons. Et j'entends la discussion, en étant à côté, ou... Oui, oui. Entre deux commerçants, je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, je sens que vous allez faire comme la jeune fille, là-bas vous allez me la foutre en verre encore. Voyez-vous, nous laissons nos compagnons animaux ici. Donc, par conséquent, nous sommes dans l'obligation de revenir dans ce relais. Oui, c'est vrai que le cheval risque pas de partir tout de suite, c'est clair. Sauf si vous, bien sûr, vous devez quitter le relais. Quel cas, effectivement... Ouais, de toute façon... Tant que j'ai pas ma roue, je peux pas partir. Hein. Donc vous pouvez très bien nous remettre votre argent et je peux vous assurer que nous chercherons cette route convoitée. Oui. D'accord. Bon, nous verrons ça. Allez, d'abord, on...